sais, le Japon, c'est vraiment différent de chez nous. Tu vas voir, c'est spécial. Ah ouais, ouais. Alors déjà, pour plonger dans le bain, tu roules à gauche. Après, c'est l'enfer. Il y a tout écrit en japonais et il n'y en a pas un qui parle anglais. Là, tu vas voir, la bouffe, c'est plutôt dingue. Si t'aimes manger le poisson au petit-déj, ça va. Et dans le métro, ils font tous que pioncer. Ils ont une grosse notion du respect sans arrêt en train de te saluer comme ça. Là. T'as les Hansen, on va aller voir en montagne la flotte, les sources d'eau chaude. Et t'as les petites japonaises, tout le temps avec leur masque là. C'est quand ils sont malades. C'est une source, c'est une forme de respect en fait, c'est pour pas te contaminer. Mais par rapport à ton nom, t'es dans la merde. Ici, y a pas de raquette, pas de fromage, pas de vin blanc. Et ça tombe des gros flocons là quand même. Je t'avais pas menti sur les pizzas japonaises. Ouais, ça, carrément. Je m'appelle Benjamin Etienne, j'habite Thonon-les-Bains et je suis un passionné de ski. Le mec, il s'inscrit à la White Session. Il poste une vidéo, franchement, la classe. Derrière, coup de fil. Salut Ben, c'est Enak, prépare ton sac, on décolle pour le Japon. Ah bah c'est parti. Et là, la totale, le mec il se fait Tokyo, Sapporo, île du Nord, île du Sud, oui monsieur. Derrière, il bouffe des sushis tous les jours. Il dort pas bien sur des tatamis hyper durs tous les jours. Il fait des plongeons dans des bains d'eau chaude, pas tous les jours. Ensuite, c'est les temples, il ride sur les volcans, dans les fumerolles. Il se gave, il bouffe des kilos de puff. Ce mec a su saisir sa chance. Alors Ben, c'est quoi que t'as préféré? Bah, la puff, Enak. Bah voilà, gavade, la puff. Bien. Et regarde, là tu laisses traîner le bâton, en fait t'envoies tout le corps. Et en fait tu gères pas du tout, faut rester plus tonique en haut du corps. La jambe extérieure trop raide encore. Mais ouais, en fait tu pousses latéralement plutôt que d'aller chercher dans la tête.
On n'a pas été très productif aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien là maintenant? Faut que je vous raconte aussi la session pilo. C'était juste incroyable. C'est des gros paravalanches qui sont... On commence par le début. Déjà, on arrive, on monte en peau et là, on tombe direct sur des empreintes d'ours. Ouais. Ambiance Japon. On arrive au sommet, pile au land. Et là, 3, 2, 1, drop in. Le Ben, faut l'avouer, un peu canne de bois. Moi derrière au top et ça a attaqué. Des sprays comme ça, plein la tronche. Et boum, 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 boum. Comme Ben, il n'arrête pas de nous parler de pilo comme dans les vidéos qu'il veut faire absolument, ben, on s'est dit, ben, allez, stop. Du coup, on vient de descendre, on vient de s'habiller et on y va. Bon, ben, Ben, en fait, la technique pour les pilos, c'est pas très compliqué, mais c'est plutôt difficile à exécuter. Le grand mal. La réussite d'une bonne ligne, en fait, c'est réussir à avoir une vitesse constante, sans aller trop vite, sans aller trop doucement. Droit sur moi, tu t'arrêtes au même niveau que je me suis arrêté. Et à partir de là, on lance la vidéo. Ça marche ? Ça marche, ça marche. J'ai beau avoir 25 ans, ça reste quand même le plus beau voyage de ma vie. C'est quand même bien éclaté. Oh.